Et donc, salut tout le monde, c'est Brian Mathéon. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo IRL. Vous avez dû vous en rendre compte pour vous montrer une chose qui est assez surprenante, j'ai envie de dire. Vous l'avez sans doute vu par le titre en dessous de la vidéo. Bon, oui, je sais, je suis en haut à gauche. Donc, c'est pour vous montrer un jeu que j'ai reçu aujourd'hui et qui... Je l'attendais depuis longtemps. Très longtemps. Je l'attendais depuis jeudi exactement. Bon, ça m'a coûté un peu cher, mais il est enfin arrivé. Battlefield 3 en premium, s'il vous plaît. Oui, en premium. Cela veut dire qu'il y a Battlefield 3, le normal. Back to Karkong. Close Quarters, Aftermath, Amorative et The Endgame. Au début, j'hésitais à prendre Battlefield 4, mais simplement, je savais pas si en précommandant Battlefield 4, j'allais me retrouver avec Battlefield 3 en sa version premium. Donc j'ai opté pour Battlefield 3. Parce qu'au moins c'est bien et au moins je pourrais jouer avec certaines personnes que vous pouvez connaître. Je pourrais sans doute jouer avec vous, avec quelques potes à moi, ou limite jouer avec Benoît, qui est pour X9 si vous préférez. Donc je ne l'ai pas encore ouvert, vous pouvez voir ça au plastique et auquel vous pouvez entendre un micro. Enfin, je vous demande si c'est bien le bon micro là. Oui, c'est le bon. Oui, j'enregistre avec XSplit, la routine. Vous avez un peu d'habitude maintenant. Attendez, hop. Ouais, une nouvelle webcam. Je vous la montrerai juste après. Alors, on va voir où est-ce que. Où est-ce que je l'ai mis mon. Couteau suisse, c'est que je vous dis tout de suite, c'est le bordel sur mon bureau, comme d'habitude, quoi, comme d'habitude. Fuck! Où est-ce que je l'ai mis ce couteau suisse à la con? Non? Bon, c'est pas grave, je vais l'ouvrir d'une autre manière. Je vais l'ouvrir avec mes clés. Commencez pas à ouvrir par ici. Tac, c'est bon. Je vous le cache pas. Je suis très fier de cet achat. Alors, pour ceux qui voudraient savoir, je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai pas assez ouvert. Je l'ai acheté sur Amazon, enfin. Ouais. Parce que dans certains magasins, bon, je prends l'exemple de Micromania. Oui, c'est le premier magasin que j'ai pensé. Il était beaucoup plus cher. Il coûtait 60€ à peu près. Ouais, truc de la genre, 60€. Alors que sur Amazon, il coûtait beaucoup moins cher. Donc c'est bon, le plastique est tombé. Je mets ça dans la poubelle. Et voyez voir quel est son contenu. Waouh. Oh oui. Oh oui! Alors, voilà comment se présente l'intérieur. Alors, attendez, je vais juste. Alors, les notices que vous connaissez. Wow! Crysis 3? Attends. Alors. Toujours plus de possibilités avec la Premium Edition. Battlefield 3 premium.
Premium Edition inclut le kit de démarrage multijoueur, profitez de quelques armes avancées, passez le Battlefield 3, Premium insérez le disque du jeu, Game Boot Multiplier, Battlefield 3. Ok. Ouais, je me disais aussi, pourquoi ils mettent un truc de Crysis 3, je regarde juste une chose là. Ah non. Oui, c'est que j'ai pas trop l'habitude avec cette nouvelle webcam, c'est que celle-ci elle a un champ mais large, très large. Je croyais que je me verrais pas. Ouais, mais le fait de voir Crysis 3. Alors je vais les mettre juste là à côté. Et ensuite on a CD1, CD2. Alors je suppose que oui, c'est bien ce que je pense, c'est le disque 1 et disque 2. Alors, vous pouvez le voir juste là. Disque 1, disque 2. Alors, heureusement, oui, heureusement, que j'ai deux lecteurs DVD. Alors, attendez, je vais changer le système de point de vue. Voilà. Oh oui, je suis en gros, c'est pas grave. Je vais vous montrer ça. Donc oui, je vous le disais, c'est vraiment le pur bordel mon bureau. Donc j'ai l'avantage d'avoir mis au point s'il te plaît la webcam. Attendez. Ah voilà. J'ai la chance d'avoir deux lecteurs DVD, un ici Blu-ray LG et un autre classique en Plex Store. Ensuite là vous voyez le truc Core i5, le truc de ma carte graphique. Style et le truc Asus, mais enfin ça n'a aucune importance. Bon, oui, vous pouvez voir que bouge pas. Vous pouvez voir ici que oh putain, ça m'énerve. Ouais, la webcam est très instable. Non, c'est un peu mieux. Ouais, voilà, c'est bien comme ça. Elle est très instable. Ça, c'est à cause du fil. Enfin, c'est pas grave. Alors, je vais commencer par mettre le premier DVD. Wow. Alors, c'est pratique qu'il y a un reflet sur le DVD. Vous pourrez voir la webcam. En fait, elle va pas tant que ça. Donc, vous la voyez, c'est une Logitech Quick le Pro 9000. Là. Allez, c'est parti. Bon, je vais vous épargner le bruit. En tout cas, ça fait pas trop de bruit. Très récemment, mon lecteur DVD, il a eu quelques petits problèmes. Il était assez bruyant. Et cette fois-ci, il est beaucoup moins bruyant. Alors, ne vous inquiétez pas si là, vous voyez un écran noir. Vous êtes en train de vous dire oh, mon Dieu, hop là, zip. Alors je sais, là c'est aïe mes yeux que vous voyez, voilà, merde, aïe aïe aïe, la webcam elle a bugué. Ah c'est chier ça. Ouais, cool, le tout cool. Bon, je relance la caméra. Ah, voilà, c'est mieux. Bon, ça arrive parfois quelques bugs, c'est sans doute le fait que je sois sous... Voilà, c'est bien. C'est sans doute le fait que je sois sous Windows 8, que c'est merde. Alors, hop là, l'accueil, l'ordinateur. Hop. Bon, oui, mes disques durs sont pleins. Voilà, Battlefield 3. Eh, ça fait, il est beaucoup plus silencieux maintenant. Mais enfin, anyway. Mais c'est mon voix. Il me faut quelque chose de pour que ma webcam me tienne. Tiens, ben je vais mettre. Hop là, ma télécommande. Et comme ça, c'est stabilisé. C'est sûr. Voilà, installer. Bon. Alors, les installations de jeux, tout ce qu'il y a de pire au monde. Parce que,
en fonction des performances du PC, ça peut prendre soit 5 minutes, soit une éternité. Bon, pour moi, en ce qui me concerne, ouais, ma vitesse de connexion, c'est du 1 ms au seconde. Alors, activer Battlefield 3. Enfin, alors oui, Battlefield 4, mais pour un prix monstre. Je vous le cache pas, entre Battlefield 4 et SimCity 5, je préfère encore. Pardon. Je préfère encore prendre SimCity 5. Parce que personnellement, je ne vous le cache pas, ça j'ai hérité de mon père. Moi et mon père, on est très fan des jeux de type City Builder. Moi je joue entre autres Cities XL, ouais, CSDVC XL, on s'en souvient toujours. Cette série ne verra jamais le jour. Hein. Sauf si un jour je me fais chier, parce que je suis sûr que si je devrais faire une aventure suivie sur un City Builder, bon là j'ai deux City Builder à mon actif, à savoir Cities XL et SimCity Société. Je préfère le Société, il est mieux. Le SimCity 4, non, c'est bof. Mais le tout dernier, bon, à son lancement, je veux bien croire que c'était une grosse merde là. Ouais, les serveurs sont saturés! Et bon, ça c'était avant. Alors là, j'ai un petit problème, là, devant. Ah, c'est bon, DNS. Il bug tout le temps. Enfin, ce n'est pas grave. What? Attendez. Attendez. Voilà. Bon, je l'entends bien de l'écouteur. Bon, ouais. On sait rien parfois. Hop là, suivant. Installé. Ah voilà, alors, je sais là vous allez gueuler, c'est. C'est juste. Pouf. Ouais, c'est. C'est tout à fait normal. Que je mets ça parce que c'est pour mettre la clé, non, la clé qui est là en fait, c'est juste pour que vous voyez pas. Putain, c'est la clé de la mort streak. J'ai mon témoin, j'appelle. Alors, merde, j'ai oublié d'activer les mages. Alors, tac, je vais vous remettre ça. Alors, hop là, la webcam a disparu. La caméra a disparu! J'ai la mort! Eh non. Ah putain, qu'est-ce que je suis bon humoriste. Ironie, ok, blague de merde, je sors. Ah putain, ça m'énerve, il y a toujours ces bugs. Bon, c'est pas grave si ça bug parfois, bon. Ma webcam, à mon avis, j'ai pas dû installer les drivers par derrière, mais enfin, j'ai un peu la flemme. Du moment que ça marche, alors voilà. Copie mal voulu, Battlefield. Suivant. Voilà. Eh mais. Oh, édition limitée quand même! Ah oui, il faut le faire là. Et là, si je vois. Voilà. Bon oui, c'est juste des mots. Hein. Je connais ce un problème. What?
quoi cette merde? Je prépare, on dirait. Ouais, cool. Attendez. Tac. Vu qu'il est activé, ben normalement ça devrait le télécharger. Ouais. Ok, c'est quoi cette merde? Oh putain, c'est le bordel sur mon bureau. Putain, j'ai un peu la dalle. Bon, d'à côté, c'est normal. Il est midi. Bon. Pour revire ça à nouveau. Alors, bon, autant préparer un copier-coller à l'avance. Là, Word. Bon, oui, je lance Word. C'est juste pour noter. Ouais, je vais peut-être. Hop, c'est mieux comme ça. Là. Bon, le copier-coller c'est plus facile. J'ai eu des petits problèmes par derrière. Voilà. C'est en train de l'activer. Et alors? Bon, là je vais voir dans la boutique. Et un. Ah non, c'est bon. Ça le télécharge. Ça le télécharge, ça le télécharge alors. Hop là, la caméra a disparu. Je vais mourir. Mais non. Le stress. En fait, ça commençait à le télécharger par derrière. C'est que je m'en étais pas rendu compte. Ouais. Même en édition. Putain, ça m'énerve ce bug. Ça me saoule, ça me saoule. Voilà, je réduis la caméra. Ok, là c'est parfait, c'est en train de le télécharger et what the fuck. Ouais, ok, ok, ok. Normal, normal. Bon ben du coup, je vais pas faire un accéléré, je vais vous faire une belle ellipse de la mort. Bon, je vous reprends juste après. Bon, et bien nous revoilà. Après, pour moi, 2 heures d'attente, vous pouvez le voir. Alors, juste là, il est 14 heures. Là, je viens tout juste de mettre la clé pour télécharger les DLC à moitié, Close Quarters, Endgame, Aftermath 1, 2, 3, 4.
Bon, bucket ou carcom de. Ouais, arriver plus tard. Donc là, je vais attendre pendant je ne sais combien de temps. Donc je vous reprendrai une fois que tout ça soit téléchargé. Donc pour vous, ça va durer quelques secondes, l'ellipse, mais pour moi, ça va durer. Je ne sais combien de temps. Allez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bon, finalement, c'est enfin, oui, enfin installé. Parce que, avec les bugs internet de l'autre, la connexion lente, ça en avait mis pour tellement de temps. Et finalement, c'est bon. Il est installé. En étant de jeu 8 heures, pendant que ça s'installait, je me suis fait quelques petites parties. Et donc c'est bon. Premium, Endgame, Aftermath, Amorat Hill, Close Quarters, Bucket of Karkang. Mais pas Battlefield 4. Par contre, il y a une chose qui me surprend un peu. Pas encore sorti. J'ai précommandé Beta Exclusive de Battlefield 4. Ça veut dire que je vais avoir un Battlefield 4? Ça, j'en ai aucune idée. Donc, c'est bon. Je l'ai, Battlefield 3. Bon, par derrière, je me suis fait des. Quelques petites parties quand même, histoire que je m'y habitue. Au début, je jouais avec ma manette Xbox 360, mais en fin de compte, c'est je vais jouer au clavier, toutes mes touches sont paramétrées. Enfin, ouais, je crois. Ouais, anyway, donc les touches sont paramétrées. Donc maintenant, bon, vous avez sans doute dû voir par l'or en bas à droite, 3h06, je n'ai toujours pas mangé. Donc, moi, c'est. Je vais manger. Et ensuite, c'est. Je vais faire une petite partie sur Battlefield 3 quand même. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Bon, et eh bien, nous voilà sur Battlefield en conquête. Attention, Opération l'objectif a été pris. Terminé. Oh, Allez, ça les gars, si ça va. continue comme ça, on va y passer. Là, on est bon, hein. On est vraiment bon. Alors, oui, je vais réparer. J'aime bien prendre cette place parce qu'au moins on répare. Véhicule ennemi dans votre zone d'opération terminée. Putain, comment il est passé? Attention, un véhicule ennemi a été repéré dans votre secteur.
On l'a vu. Moto, je l'ai jamais conduite, je vous le cache pas. Putain, oh, oh, putain. Wow, bonjour. Aïe, ouais, il m'avait foncé dessus. Résultat, j'ai savoir, moi je joue avec clavier puis souris, au moins c'est très maniable. J'avais essayé de mon grade 1 jusqu'au grade 3 avec ma manette d'Xbox 360, mais c'était bof. Donc moi j'étais parti sur merde. J'étais parti voir ensemble la vie souris. C'est une tête de merde. Oh,
je déteste les javelins. Mais c'est toujours le même en plus. Allez, go. Alors. Où est le point? Le point, il est là-bas. Oh merde, j'ai pris la mauvaise route. Go, go, go. Oh putain, j'ai la mort qui va m'attendre. Ah, faut réagir assez vite quand même. Hein. Et mais... Putain, c'est le gars qui avait... Qui a pris le javelin. Oh yes. Attention, 3, 2, 1... Surprise, motherfucker! Merde, on a perdu l'objectif! Terminé! Ouais, c'est cette magie là-bas. Oh! Oh putain. 67. Ah, la victoire. C'est pour ça. Oh. Putain, level 100 le gars. Et on avait des levels élevés quand même. Alors. Ok. Ça va. Supplémentaire? Oh putain! Ah! Extincteur.
Bon, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous voulez deux nouvelles parties sur Battlefield 3, n'hésitez pas à me le dire. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.